les gens, c'est Drake Survie. Aujourd'hui, on se retrouve pour du Forza Horizon. Aujourd'hui, petite vidéo. Oh, super, il pleut. On va avoir un accolade super. Aujourd'hui, on va se retrouver sur ce jeu pour une petite game. Hein. Donc, on va partir pour les sessions festival. Donc, on va regarder ça vite fait ensemble. Donc, au mois d'octobre. Voyons voir. Alors, voyons ce qu'on peut avoir. Alors, posséder, piloter le Pro Truck numéro 37 de 2016, RJ. Vous êtes sympa, il lui donnera les clés. Ok, là, nous avons une voiture. C'est quoi ça? Ouais, je l'ai déjà, je crois. C'est les spéciales éditions, on ira regarder vite fait. Nous avons l'arcade, nous avons le test, nous avons les cascades. Ok, et nous avons prendre une photo de la Manzana RX7 Speed Air de 2002, sapin de Noël géant. Gunjunto, ok. Super. Donc, on va déjà faire le Battle Royale, hein, qui sera beaucoup plus rapide, je pense. Ou le radar, ça dépend. Voyons voir ce qu'il faut. Il faut une Audi RS6 03. Ça peut se faire. Audi RS6. Alors, on y va, parce qu'il y a pas mal de bagnoles. J'ai pas mal de voitures. Depuis la dernière fois. Alors, voyons voir. Lotus, Mazda, Mini. Je suis passé devant ou quoi? Pourtant les Audi, je les ai toutes. Honda, Ford. Ah, ouais, Audi RS2, RS6, RS6 avant 2015. Non, je l'ai pas. Bon, on va déjà faire le battle. On va déjà faire le battle, donc on va se TP. Ici. Parce que sinon ça va être trop long de faire le voyage en voiture. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche, à laisser un petit commentaire. Puis on va essayer d'arriver à faire un petit truc pour Meul. On m'a envoyé un cadeau. J'ai rien à foutre de vos cadeaux. Faut arrêter de m'envoyer des cadeaux, les gars. Parce que j'en ai pas l'utilité. La plupart du temps, les bagnoles, c'est ce qu'on a déjà. On les a déjà. À part la dernière, celle qu'on m'a envoyée. Je remercie la personne. Même si je la connais pas. Je crois bien que c'était un chinois. Clairement, je lui remercie. Il était. Une voiture comme ça, je pense que. Je sais pas si je peux vous la montrer. C'était. Alors, attendez. C'était pas celle-là. Je crois bien que c'était l'une. Elle était en solo, ce qui est sûr. Ah, c'est celle-là. La Xboard R 2013 KTM. Clairement, on me l'a envoyé. J'ai remercié la personne. Donc, elle était déjà. Je l'ai pas touchée. Elle était à 900 en S1. Donc, améliorer, ça c'est cool. Ah. Si le réseau me fait défaut.
Recherche un Animator. Ok. Bon. On va attendre. On va attendre. Eliminator, recherche. Recherche un Animator. C'est très long les recherches, je trouve. Oh là, oh là, oh là. Doucement, doucement. Je kiffe cette bagnole. En plus, l'aileron bouge quand vous tournez. Alors pas là parce que vous êtes en arrêt, mais quand vous êtes en vitesse ou quoi que ce soit, l'aileron tourne et ça c'est cool. C'est plutôt chimpo, j'ai envie de vous dire. Allez, on se dépêche. Ah, il y a le truc qui clignote en bas. L'intérieur est vraiment très classe. C'est dommage qu'on puisse pas regarder. Le volant est vraiment classe. Il est vraiment midi sur le jeu. Ouais, bah de toute façon, on peut que prendre celle-là. Je ne vois pas pourquoi il nous propose de prendre une voiture ou quoi que ce soit. Je comprends pas. Ils savent qu'on va prendre une de Dodge parce qu'on prend la Coccinelle, parce que la Coccinelle, c'est la seule voiture qu'on peut utiliser dès le premier tour. Donc je comprends pas pourquoi ils ont décidé de nous faire choisir en fait. Alors après, je sais pas, peut-être qu'il y en a qu'on peut choisir autre chose. Mais pour le moment, il y a que la Cox. Alors moi, il y en a. Hein, réduction de l'arène déjà. Par contre, y en a déjà une qui a déjà trouvé le niveau 5, quoi. Il y en a derrière moi. Et il est con ou il le fait exprès? On a les mêmes bagnoles. Et merde. J'aime pas ces gens qui font ça. Il aura tout perdu. Et franchement, j'ai eu chaud parce que je me suis dit, il va pouvoir me rive parce qu'il avait pris quand même de l'avance. Porsche 911. Ah bah oui, je vais prendre la Porsche 911, hein, Carrera. C'est niveau 2, mais au moins.
à l'améliorer. Il y a une fumée là-bas. Carbure la voiture là. Non. C'est le seul souci, c'est que là, tu peux pas passer. Je sais pas s'il y a eu le mode hivernal qui a été mis sur le jeu. Je voudrais bien atteindre le niveau 35. Ça descend pas trop, hein. 38. Je voudrais pas être éliminé. Ça, c'est quoi? C'est une Porsche. Je sais même pas la marque de cette bagnole-là. Il n'y avait pas de la fumée là? Ah si. Bien vu. Une Ford Focus. On va la prendre. Qu'est-ce qu'on a là? Une Golf. Heureusement que j'ai pris de la hauteur parce que tout le monde fait, ben je vois les points, les points de cheminée. Et il y en a quand même pas mal hein, de points de cheminée quand t'es en hauteur. Ouais, faut s'améliorer là parce que sinon on va l'avoir dans l'os. Alors là, par contre, ça c'est une voiture de réduction de l'arène. Je suis dans l'arène, bon. Niveau 2. Si je me prends des armes, même quand je suis pas en course, ça va pas le faire. J'ai un avantage en tout terrain. Ouais. Quand tu veux pour me remettre. Oh non mais. 15 jours pour me remettre le machin correctement. Oh non mais il a gagné là. Il a gagné, ben oui, non mais. Je me suis pris un machin, le truc, il s'est même pas retourné correctement. Je peux même plus bouger. Bah, je peux même plus bouger là.
Clairement, clairement la reprise du machin qui met 15 jours, merci quoi. Là, franchement, zéro quoi. Ça, je suis dégoûté là par contre, hein. Bon. Bah, je suis un peu dégoûté quand même parce que bon, j'aurais pu faire mieux, je pense, hein, mais lui, il a pu passer parce qu'il m'a passé au-dessus, mais moi, ben, je l'ai eu dans le huc, quoi. C'est quoi ça? Ça, c'est le saut. Ford. Par contre, je sais pas quel est le truc. On va essayer au moins de. Ford 800. Alors, je pense que c'est n'importe quelle voiture, mais on va quand même prendre un tout-terrain Ford. Ferrari, Ford. Ford 800, j'ai le Ford machin là, j'ai celui-là. Alors, tout terrain, j'ai que celui-là, donc on va prendre celui-là. On va se TP, hein. Qui fait toutes les machines des saisons? Clairement, dites-moi qui c'est qui fait toutes les trucs, parce que clairement, il y en a certaines. Tu seras gentil, tu restes là. Et je me. Voilà. 15 jours pour mettre un point. Nouveau record personnel. Ouais. Bah attends, mais c'est pas celui-là? Oh, c'est chiant ça, faut être près du machin. Ah, c'est. Ah ouais, 213! Ah oui, non mais attendez, faut prendre de la. Faut que j'aille loin là. Cette épée là, et puis on va carburer là. Moi j'appelle ça déjà pas un saut, mais bon. Mais c'est impossible! Bon, bah, je vais récupérer mon cadeau en attendant. C'est impossible! Voyons voir ce qu'on a gagné, ce qu'on nous a donné, parce que bon. Ah non, c'est pas ici qu'on me l'a donné. C'est pour offrir qu'on est là. Mais 213 mètres. Le machin, le truc, c'est qu'on plonge direct. C'est même pas un saut, c'est.
Bon, on va aller chercher mon cadeau. On va voir ce qu'on m'a envoyé. Alors, voyons voir. C'est où qu'il est? C'est là. C'est chi. Voyage instantané, puis on va se laisser là. Par contre, le truc là, du saut, à chier quoi. Merci. Ouais, je suis où là? En tout cas, c'est un bon tout-terrain celui-là, enfin, je trouve. Fort 2069. Alors voyons voir un peu la daube qu'on m'a envoyée. Si c'est une des voitures que j'ai déjà, je renvoie la même. Oui, je renvoie toujours les mêmes bagnoles. Ah oui, tellement de... Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on voit pas la voiture. Bon, elles sont emballées. 2000 Land Rover. Oh, je l'ai pas. Donc, je l'ai pas. Je remercie. J'adore la voiture. Merci, vous me faites plaisir. Merci pour la voiture. Je prendrai soin. Clairement. Après, le truc, c'est que moi, j'essaie d'avoir toutes les bagnoles. Donc, quand j'en ai en double, ben, je les envoie. Soit aux nouveaux participants, aux nouvelles personnes qui arrivent sur le jeu. Ou soit aux personnes qui arrivent directement. Alors, quand c'est des bonnes voitures, comme par exemple, si je parce que je sais que il y a la Deluxo, qui, donc la DMC qui ne. J'appelle la Deluxo parce que j'ai l'habitude de Fortnite, de GTA. Mais par exemple, la DMC qui est de Retour vers le futur, qui ne se trouve plus dans le jeu, qu'il faut obligatoirement d'aller en truc de session faut l'acheter quoi. Je peux tout bonnement là, on va aller tiens, bah, on va aller voir vite fait. On va aller voir vite fait ensemble. On va aller voir vite fait ensemble et puis hop. En même temps, je vais voir pour la Ford RS, parce que c'est vrai que. Alors, attendez, on va dû regarder pour le festival section. Alors attends, attendez, c'est donc la Monza RS Speed Air. Prendre une photo de la Manzad. Madzad, alors qui est un peu chiant. Je sais pas si je l'ai. Par exemple, là, je l'ai en S2. Hein. Bon, je l'ai amélioré à ma façon. Hein. Je l'ai récupéré normal, la DMC. Mais vous pouvez. Par contre. Ah, mais attendez, le véhicule, je l'avais déjà. Ah oui, je l'avais déjà. Moi, j'avais le vert et on a reçu celui qui est tout au-dessus. Par contre, ouais, bon, j'irai le remettre en salle de vente. Donc salle des ventes, vous allez salle des ventes, vous faites commencer une vente. Oh, je peux pas faire une si ou déjà. Salon, garage. Recherche vente.
DeLorean. Vous allez là, vous faites confirmer. Ne cherchez pas les modèles ou quoi que ce soit, vous mettez juste DeLorean. Et normalement, bon là, je pense qu'il va y avoir du monde. Alors, c'est même étonnant en fait qu'il y ait du monde qui les vende parce que le truc c'est que voilà. Mais par exemple là, il y en a plusieurs et le truc c'est que c'est souvent où bah, par exemple vous faites acheter et elles sont déjà vendues en fait. Donc il y en a pas mal, donc elles s'atteignent pas non plus des prix. Ah si quand même, elles atteignent quand même des prix extrêmement volumineux, je trouve. Même pour une S1, là, il y a une S1 à 1000, voilà, bon. Ouais, on peut commencer petit là par exemple. Lui par exemple, bon, il n'a pas cherché, il démarre en cher à 2000. Voilà. Mais quand vous avez une voiture comme ça, la plupart du temps, faut l'acheter tout de suite. Hein. Faut pas hésiter, faut que vous achetiez tout de suite parce que sinon, c'est pas possible. Par contre, je vais commencer une vente. Je vais la mettre en vente, le 4x4 là. Ça sert à rien que je le garde. Je vais mettre ça. Vente. Vendre voiture. Pilote de voiture. Vendre la voiture. Vingt-quatre heures. Voilà. Et puis si je la vois qu'elle part pas, ben j'irai l'offrir en cadeau parce que ça sert à rien que je la garde, ça fait toujours un peu d'argent de côté et puis bon j'ai même pas touché comme vous l'avez remarqué donc voilà hop. Par contre j'ai toujours pas trouvé, je sais pas quelle est la voiture en fait, j'arrive pas à me rappeler de la marque, j'arrive pas à me rappeler de la marque. Par contre alors attendez, on va regarder ce qu'on a au compteur, ouais, bah, je l'ai déjà acquis celle-là, la Pontiac. On a une Ferrari, la F12 TDF Ferrari. On a un Velociraptor à 6 roues motrices. Plutôt pas mal le bagnole là, les 4x4 là, il est bien, bien gros, bien moche. Vos points, ok, j'ai plus de points. Faut dire que je fais que ça d'acheter dans ce truc-là. Speed Air, une Speed Air. C'est quoi ça? C'est super, c'est supercar ça? C'est hypercar? C'est quoi ça? Filtre? C'est dans les modes aircar, ça. Speed Air. C'est pas une rétro supercar. Je pense pas que je l'ai. Alors attendez, on va déjà faire une recherche. Non, salon auto. Salon auto, et puis on va regarder ça vite fait. Bon, c'est pas une hypercar. Non, c'est pas une hypercar. C'est pas une hypercar. Ouais, bon, bah on va se laisser là, les gens. Tant que je trouve, machin, ça va passer 15 jours. Donc voilà. Merci encore à ceux qui regarderont. Bon, bah la vidéo était plutôt courte. Je sais qu'il faudrait que je fasse des montages, mais là, vu qu'on arrive en fin d'année,
L'année prochaine, peut-être qu'il y aura un peu plus de montage et moins de vidéos. Parce que bah, y a pas mal de personnes qui me disent de faire des montages, mais le truc c'est que les montages ça m'a un peu plus de temps, donc il y aura moins de vidéos. Surtout qu'avec mon vieux coucou là de PC, j'ai un peu de mal à faire un peu de tout. Donc voilà. Passez une bonne fin de journée, à la prochaine les gens, c'était Drac Survie. Peace!